Et yo tout le monde, petite vidéo très spéciale, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais c'est une vidéo un peu sponsorisée, partenariat on va dire. Donc c'est pour faire un unboxing, sur cette chaîne. Donc le produit c'est un, c'est une tablette XP Pen Artist 12 Pen Display de seconde génération. Non. La boîte. Il y a encore le film qui est dessus, donc j'espère qu'on entend bien. Je ne ferai qu'un enregistrement parce que je ne pourrai pas enlever le film deux fois. On va prendre un petit cutter pour ouvrir ça proprement. J'ai pas de petit cutter. Donc cette unboxing fait suite au partenariat qu'on a eu avec CF pour le stream thématique numéro 100. Et XP Pen a offert pour les trois premiers, pour les trois vainqueurs, des tablettes. Je crois que c'est la Deco 02, il me semble. Donc il y en avait trois. Le challenge est passé. Voilà, le film est enlevé. Et je vais ouvrir tout ça. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux dans ces cas-là. Juste un tout petit instant. Voilà. La boîte. XP Pen. Artist 12 Pen Display, seconde génération. Je vais essayer de l'ouvrir. J'ai à nouveau besoin du cutter. Du coup, hop. Voilà. Voilà. La tablette. Voilà, prendre correctement. L'arrière. Donc je découvre avec vous le stylet. Donc, je tiens à rappeler en fait que c'est apparemment les nouvelles sorties avec la technologie donc X3. Donc, pour l'instant je ne connais pas plus que vous. J'ai regardé mais j'ai pas eu le temps d'imprimer le tout. Donc le stylet. Mieux pour le montrer, le focus. Voilà. La petite boîte avec les points de rechange, le petit gant et la notice, ainsi que le petit tissu pour tout essuyer. Je vais essayer de bien ranger ça. J'aime bien quand c'est bien rangé aussi. Voilà. On remet à sa place. Et donc, le câble pour la connexion. Donc la connexion qui se fait sur la tablette, hop, sur le côté, ici. J'ai aussi oublié de parler qu'il y avait 6 boutons, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 boutons, voilà, paramétrable selon ce que vous utilisez. Et donc, le câble. Donc un câble USB 3
et les deux USB, donc un pour connecter directement à l'ordinateur et l'autre pour l'alimentation. Et sinon, on a une rallonge USB, mâle femelle. Voilà pour ce qu'il y avait dans le pack. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer au branchement. Et voilà.